avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je vous fais gagner 100 Robux. Oui, ça fait longtemps. Pour participer, c'est très simple, faut juste rejoindre mon nouveau groupe dans la description qui s'appelle Courgette Fan Club. Mettre un petit commentaire avec son pseudo, s'abonner avec la cloche et liker. Sur ce les amis, vous êtes les meilleurs. Bonne chance à tous et bonne vidéo. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un euro par terre? Non, c'est mieux que ça. J'aurai un bébé. Quoi? Un bébé? Tu veux dire un bébé chien? Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien à la maison, je suis trop content. Non, c'est pas un bébé chien, mais qu'est-ce que tu dis? Sérieux, t'es débile, j'aurai un enfant. Ah, quelle blague chérie, t'es une bonne humoriste hein. T'es débile ou quoi chérie? T'imagines avoir un enfant? En plus, tu vas bientôt devenir père. Quoi? Moi père? Est-ce que j'ai une tête à devenir père moi? Non, c'est pas possible, tu me blagues, allez, donne-moi une preuve que t'es enceinte d'abord. Mais t'as pas vu mon ventre? Comment il est gros? Ben non, ça c'est juste parce que t'es obèse, t'arrêtes pas de manger des burritos, regarde ta main, non mais arrête. Ça fait 2 jours que j'ai même pas mangé ça à cause de mon bébé. Les excuses, on les connaît, hein. Ça fait 6 mois que tu me dis que tu vas faire un régime, tu l'as jamais fait. Tu veux que je te mette une pomme ou quoi? T'as pas vu mon ventre, comment il est gros à cause du gros bébé? Quoi, notre gros bébé? Tu veux dire qu'il est obèse? Non, t'as pas compris, par contre si c'est un garçon, je le jetterai à la poubelle. T'imagines avoir un débile chez nous? Non, 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 je vais avoir une... Toi la débile, je m'en fous, moi je veux un garçon. Non, une fille. Non, un garçon. Non, une fille. Non, un garçon. Non, une fille. Si c'est une fille, je l'envoie à l'orphelinat. Si c'est un garçon, je le mettrai dans le four comme un chicken nugget. Eh ben moi je lâcherai la chasse sur elle comme un petit caca dans les toilettes. Oh, tu vas vraiment faire ça, notre petite chérie? T'es sérieux? T'es vraiment cruel. Vas-y, moi je me casse. Mais non, reviens débile, c'était qu'une blague. En plus, toi je te rappelle, tu voulais le mettre au four. Hein, quel test? Le test de Covid? Mais j'ai pas la grippe, moi! Vas-y, t'es trop bête! Viens, suis-moi, tu vas comprendre! Non, parlons de Covid, t'as pas vu tes dents? Ils sont 10 000 mètres de distance! Ah, parle pas mal de mes dents, t'as vu ta tête de cornichon? Ouais, suis-moi, espèce de débile! Ok! Allez, c'est parti, j'ai sorti la voiture! Par contre, j'avais pas d'essence, donc j'ai mis du Coca-Cola! T'es sérieux, du Coca-Cola? Mais ça va juste empirer, espèce de débile! Allez, let's go! On est arrivé à l'hôpital, vas-y, tu peux sortir chérie. Allez, bonne chance pour faire ton test. Mais tu viens avec moi, non? Non, 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 moi je viens pas avec toi, non, je vais partir. Non, ciao, ciao. Vas-y, là, avec son test. Non, mais elle est débile, celle-là. Je vais pas me faire une piqûre, moi. Non, 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 pas l'hôpital, je déteste ça. Je vais aller manger un petit McDo. Vas-y, pourquoi je me suis mariée avec ce clochard qui sert à rien? Juste à manger du McDo, sérieux, je comprends pourquoi il est obèse. Wesh, ma voiture, c'est un barbecue ou quoi? Ah, je crois que c'est à cause du Coca-Cola. Non, ma femme, elle va me tuer. Bonjour, monsieur le médecin. Bonjour, madame. Comment ça va? Quel est votre problème? Je suis là pour vous aider. Ça va pas. En plus, j'ai un bébé sur moi et ça fait mal. Ah oui, je comprends, madame. Vous savez, c'est les aléas de la vie. C'est tout à fait normal. Vous voulez quoi? Vous avez un problème en particulier? Oui, j'ai besoin de savoir si c'est une fille ou un gars. Ah ok, d'accord, vous voulez faire une chorégraphie, d'accord, suivez-moi madame, venez à mon bureau, juste ici, venez, venez, on va faire une chorégraphie, ah ouais. Monsieur, si c'est un garçon, je le jetterai à la poubelle, c'est bon, j'en peux plus. Elle est bonne cette blague-là, t'es resté une courgette pour la jeter à la poubelle quand tu n'avais plus. Non, sérieux, je veux pas avoir un autre garçon, un garçon me suffit, là je veux avoir une fille, ils sont trop débiles les garçons. Ah ok, vous avez déjà un garçon, c'est pour ça que vous voulez une fille. Mais madame, faut pas être aussi violent que ça, faut se calmer les nerfs. Non, c'est pas mon fils, c'est mon mari, il est vraiment débile ce mec. Oula, alors là je suis tombé sur quel spécimen? Ok, du coup madame, on va faire le test. Vous m'avez pas l'air très futé, du coup je vais vous expliquer. Vous allez vous mettre sur cette plaque juste là. Allez-y, vous pouvez le faire, ne vous inquiétez pas, elle va pas vous manger. Désolé, je vous fais pas trop confiance en fait. Oh c'est bon, vous allez pas casser la tête là. Allez, je suis docteur, allez-y, allez-y. Faites-moi pas perdre mon temps s'il vous plaît. Ok. Oh là là, enfin, allez, allez, cette débilose. Est-ce bon. Que je m'assis? Non, tu sais, tu te lèves, espèce de débile. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon, vas-y, ok, on va voir le bébé. Il est fille ou garçon? Allez, disais. Oulala, là là, je vais passer un mauvais quart d'heure, moi. Alors, c'est une fille? Désolée de vous décevoir, mais c'est un garçon. Non, s'il vous plaît, je veux avoir une fille. Je veux pas avoir un garçon. S'il vous plaît, je vais le jeter à la poubelle. Waouh, 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 waouh. T'en as pas marre de crier?
criez pas. Non mais c'est pas possible ça, dégage ma clinique, espèce de vieille débile. Oh là là, c'est quoi ça? T'as cru la vie c'était Happy Land ou quoi? La fête du slip? Non mais oh, tu peux pas avoir tout ce que tu veux hein. Vas-y, dégage de là, c'est un garçon, c'est un garçon. Tu veux faire quoi? Va le jeter à la poubelle si tu veux. Non, laisse-moi voir, c'est quoi? Oh là là, t'es pas docteur, espèce de débile. Tu sais même pas c'est quoi 1 plus 1, tu veux lire un truc comme ça? Vas-y, dégage, dégage. 1 plus 1 égale à 4. Oh là là, j'en ai marre de ceux-là. Allez, dégage. Oh là là, il était temps qu'elle dégage, j'en avais marre d'elle. Vas-y, hôpital de nul, va, c'est sûr, c'est même pas vrai ce qu'il fait. Il fait ça juste pour m'énerver. Hé, hey, mais chérie, c'est quoi ça? Mais c'est mon enfant. Quoi? Sérieux, c'est ton enfant? Du coup, c'est un garçon, c'est ça? Mais non, c'est une fille, espèce de débile. Quoi? Ça, c'est une fille? Non, 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 il y a un problème technique, là. C'est pas une fille, ça, wesh. Mais regarde son visage. Attends, je vais voir de plus près. Il y a du maquillage. Je suis traumatisée, j'ai jamais vu un bébé avec du maquillage de toute ma vie. En secours, je me casse de cette maison, je reviens plus jamais. Ah ah ah, j'ai enfin réussi mon plan. Je veux dire à tout le monde que c'est une fille, mais en réalité c'est un garçon. En plus le monsieur l'a appelé Jack, mais moi je vais l'appeler Courgetta. Non mais il est sérieux le monsieur le docteur, il l'a appelé Jack. Non non non, ça c'est pas bien. Maman, tu dois absolument me les acheter, ils sont trop stylés. Ouais, je regarde moi comment ils sont. Moi, j'en ai marre de porter du rose, bordel. Non, je t'ai dit la dernière fois, t'as pas le droit de porter du bleu, t'as juste le droit de porter du rose. Ouais, mais pourquoi j'aime ces t-shirts? Mais non, parce que t'es une fille, bordel. Mais ça a aucun rapport, maman. En plus, j'aime plus le rose, je vais plus jamais porter du rose, j'en ai marre. Maman, je t'ai dit de porter du rose. Depuis tout petit, j'ai fait que porter du rose. Ma chambre est rose, tout est rose. J'en ai marre du rose. En plus, j'ai jamais aimé cette couleur. Je sais pas pourquoi. Je me sens pas du tout à ma place. Et en plus, pourquoi t'aimes pas les garçons? Il est où, papa? Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Non, mais sérieux, c'est quoi cette tête? C'est plus possible. J'en ai marre. On dirait un chacun tout droit venu de la jungle. Non, mais c'est quoi ça? Ma mère m'oblige à avoir les cheveux longs. Moi, j'en peux plus des cheveux longs. Je me supporte plus. Je m'en fous, je vais me raser avec une hache. Je m'en fous. En plus là, ma mère me dit de mettre du maquillage pour être plus beau gosse. Mais qu'est-ce que je vais faire avec du maquillage? Moi, j'ai pas envie de mettre ce truc là dans ma face, jamais de la vie. Allez, c'est parti, je vais aller me raser les cheveux. Je vais aller là-bas pour me cacher, parce que si ma mère me voit, je vais me faire tabasser. Ah, je suis beaucoup plus beau gosse comme ça, hein. Perfect. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste fait la boule à zéro et j'ai pris les vêtements que j'ai trouvés dans ton tiroir. De un, c'est les vêtements de mon père. Et en plus, je t'ai dit de laisser tes cheveux longs. Moi, je m'en fous, je les préfère comme ça, mes cheveux. Tu leur as volé, je vais t'acheter une perruque chez Rouiche et même des vêtements roses. Quoi, une perruque? Non, par pitié. Vas-y, ma mère m'a obligée de venir à l'école avec ces vêtements-là, c'est ridicule. Comment je vais me faire des amis, moi? Attends, il y a une personne là-bas, je vais lui demander. Bonjour, toi. Mais père, t'es qui toi? Comment ça, je suis qui? Arrête de dire ça, je suis quelqu'un de normal comme toi. Miyark, c'est quoi cette voix de gollum? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Courgetta et je suis une fille. Quoi, t'es vraiment une fille? Ben oui, pourquoi? Mais c'est quoi cette voix et c'est quoi ces cheveux? Ben c'est, en fait c'est... Mais j'ai pas le droit de te dire, d'accord? Mais ouais, je suis une fille et toi t'es quoi? T'es une fille, non? Ben oui, je suis une fille, dégage, j'ai pas besoin de parler avec toi. Mais quoi? Pourquoi? Mais t'es moche. Mais je suis pas moche, moi. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, cette rentrée-là, elle était éclatée au sous-sol. Je me suis fait zéro ami. La seule personne à qui j'ai parlé et qui était bien avec moi, c'est un raton laveur qui courait dans les corridors. Je lui donnais à manger. C'est bon, je vais devenir chômeur, j'ai pas envie d'aller à l'école. En plus, j'ai rien à faire ici. Eh mais j'ai une idée, j'ai vu quelqu'un à l'école avec un pistolet en jouet. J'ai trop envie de m'acheter ça. Je vais aller demander à maman. Maman, maman, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, chérie? En fait, tu vois, à l'école, j'ai vu quelque chose de très très cool. C'était un pistolet, mais t'inquiète, c'est qu'un pistolet en jouet. Non, je t'ai dit de va jouer avec tes poupées. Les pistolets en haut, c'est juste pour garçons. Quoi? Pour garçons? Mais t'es sérieuse, maman? J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est pas pour garçons. Et je m'en fous si c'est pour garçons, j'en veux un, je veux ça, je l'aime. Mais toi, t'es une fille, t'es pas un gars. Oh là là, en plus avec tes poupées éclatées, je les ai jetées à la poubelle, pétata. J'en ai marre de cette poupée, j'en ai marre de cette vie, bordel. Je préfère jouer avec mon caleçon que de jouer avec des poupées. Mais je vais t'acheter des poupées, lol. C'est ta tête que je vais loler. En plus, pourquoi t'as pas ta purée? Va mettre ta purée, j'ai pas envie de voir ta coco rasée, là.
suis, j'en ai marre, c'est quoi cette merde? Je vais cambrioler une banque pour acheter un pistolet, je m'en fous. Mais je suis débile, pour cambrioler une banque, il faut un pistolet. Ouais, comment je vais faire? J'ai fugué de chez moi, je m'en fous de cette merde. Non mais c'est quoi ça? Elle m'a pris pour qui avec sa perruque de crêpe glacée? C'est bon, je vais plus jamais revenir. J'ai pris les derniers vêtements cool qui restaient. J'ai de la chance de les garder, je m'en fous, j'ai trop de doutes. Je dois absolument aller demander à l'infirmière si je suis une fille ou un garçon. C'est quoi ça? C'est plus possible. Madame l'infirmière? Oui? Je voulais juste savoir si j'étais une fille ou un garçon et comment on pouvait voir la différence. Je crois que vous êtes un garçon. Pourquoi vous dites ça? Moi, ma mère m'a dit que je suis une fille. Mais non, vous êtes pas une fille, vous êtes un gars. Mais non, 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 vous voulez pas dire ça comme ça. C'est quoi les preuves? C'est quoi? Mais en fait, vous êtes gros. Quoi, juste pour ça? Espèce de mini, si c'est pas pour discuter, maintenant dégage, une hôpital ici. Mais c'est quoi ça? Vous pouvez pas me donner mes informations que je veux? Non, je vais pas vous donner vos informations. Mais je rigole pas, madame, je veux vraiment savoir. Oh là là, les enfants de nos jours. Oh là là, mais c'est quoi ça? J'en ai trop marre. J'ai plus le choix, je dois demander à mon meilleur ami Google. Et Google, comment savoir si on est une fille ou un garçon? STP, réponds-moi, parce que la meuf là-bas voulait pas me répondre, j'ai envie de la claquer. Un garçon a une quéquette. Eh mais moi j'ai une quéquette, ça veut dire que je suis un garçon. Je dois appeler la police, ma mère m'a menti pendant tout ce temps. Madame, vous êtes en état d'arrestation, venez avec moi tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Vous bougez, je tire. Vous êtes arrêté pour mensonge et fausse information. Ok, je lève mes mains. Ouais, c'est ça, venez avec moi tout de suite. Allez, avancez. Ok. Avancez. Ok. Allez, madame, avancez. Vous allez venir avec moi jusqu'au poste. Qu'est-ce qu'il y a? Fermez votre bouche et avancez. Ok. Il est où mon fils? Comment ça, il est où votre fils? C'est grâce à lui que vous êtes arrêté, vieille peau. Mais comment ça, c'est à cause de lui? Il est resté toute la journée dans sa chambre. Vous êtes drôle, madame. Malheureusement pour vous, il a découvert que vous lui avez menti et qu'en fait c'était un garçon et non une fille comme vous nous avez tenté de lui faire croire. Mais non, c'est une fille, je vous jure. Jeu d'acteur entre acteurs. Alors, comment on se retrouve? Mais t'es qui toi? Comment ça, je suis qui? Tu me reconnais pas? Ben non, je te reconnais pas. Je suis ton fils, maman. Comment ça, mon fils? Quoi, tu m'as pas reconnu? T'es sérieuse? Pourquoi t'as appelé la police? Pourquoi j'ai appelé la police? Tu prends pour qui? Tu m'as fait croire que j'étais une fille. T'es sérieuse, espèce de débilos? T'as vraiment cru que ça allait marcher, ton plan à deux balles? En tout cas, maintenant, je suis l'homme le plus heureux. L'homme, pas la femme, hein. Bon, vas-y, je te laisse, hein, tu l'as bien mérité. Ciao, ciao. Ouais, c'est ça, je veux me venger. Tu vas pas te venger, vieille débile. Non, elle est folle, celle-là, c'est quoi ça? Ma vengeance n'est pas encore terminée. Roblox, Boboblox, vous pouvez pas me tester, wesh. La type courgette est invincible. C'est quand vous allez comprendre. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets. Adopt me, mon ox, ma girafe et surtout mon Frost Fury. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets. Adopt me, mon ox, ma girafe et surtout mon Frost Fury. J'arnaque les mamies, j'arnaque les mamies. J'arnaque les mamies, j'arnaque les mamies.